Et plop les gens, de retour sur Basement. On va tout de suite enchaîner, maintenant qu'on a essayé de se venger, on a tout pris de les positions dont on avait conscience de Tupo, et il nous a tout repris juste derrière, avec l'aide de la police, du fils de l'ancien boss de police dont il s'est débarrassé. Tupo, donc, à la suite. Que se passe-t-il dans ce feuilleton? Oh, il y a moins de magasins que d'habitude. Ok. Il y a moins d'endroits que récemment. Tu peux pas venu à cet endroit depuis un long moment. On devrait être en sécurité ici. Oh, qu'est-ce qui se passe, mec? On a pris tous ces bâtiments, toute son opération. Pourquoi tu m'as pas laissé de finir? J'aurais tué ce connard. Kenny, tu serais mort. Et j'aurais dû recommencer peut-être tout depuis le début. Mais t'en fais pas, on va avoir Tupo, je te le promets. Mais comment? On a besoin d'une armée. Donc faisons un peu d'argent et on va embaucher une armée. C'est simple. Et on est de retour effectivement à la toute première base, la toute première mission. Du coup, c'est possible que ce soit la dernière mission, je dirais. Tout ça, c'est de ta faute, Miguel. Si t'étais avec moi, il se serait pas échappé. Mais oui, qu'est-ce que tu dis, mec? Dans quoi t'es en train de me mêler? C'est parce que t'as... C'est à cause de toi que Justin est mort. Tu dois garder la tête droite. Je pensais pas que ce serait possible, mais maintenant je te déteste encore plus que d'habitude. Cette fois, je vais te couper en deux. Ouais, on va voir. Ok, donc les deux vont se battre. Nous, on va être tranquille au centre. Miguel's Logistique. Oula, il y a des trucs de prison, ok. Ah ouais. Miguel's Laborage Exchange. Oh là là. Il y a une bibliothèque qu'on peut prendre. Avec un hippie, là, j'ai l'impression. Il y a une station de pompiers abandonnée. Oh, avec deux trucs à véhicule. Alors qu'ici c'est plutôt pour faire de la prod en sous-sol ou du stockage d'argent. La teinture machine à laver là. Ici on peut tout faire. Ouais, là il y a beaucoup de stockage. Et dans son car shop il y a encore un truc. Ok. C'est quoi la mission? Il faut gagner 42 000 pour avoir une armée. Il y a Henri qui arrive apparemment. Pour le moment, on va juste faire de la prod de base. De toute façon, on ne voit pas trop quoi faire. Très bien, les gars. Vous avez perdu toute peur ou toute intelligence? Ou les deux? Qu'est-ce qui se passe, Henri? Non seulement vous vous cachez sur le territoire de Tupo, mais en plus vous continuez à dealer là. Les rumeurs s'étendent déjà dans la ville. C'est seulement un coup de chance que... que j'en ai entendu et avant Tupo, j'en ai entendu parler avant Tupo.
Maintenant, fermez votre truc en silence. Ne vendez rien dans les salles de vente ou sinon il entendra parler immédiatement. Mais du coup on fait quoi? Comment on peut gagner de l'argent si on peut pas vendre? J'en sais rien, mais si Tupo se rend compte que vous êtes là, vous allez le regretter. Je me suis juste dit que je devais vous prévenir. Vous pouvez décider par vous-même. Bonne chance. Merde, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez une idée? Je dois réfléchir. On a besoin de vendre. Mais on peut pas le faire depuis ici. En plus, tout notre réseau, c'est chez Tupo. Et lui et Miguel contrôlent toute la ville. Pas comment on peut faire de l'argent. Non seulement Tupo et Miguel contrôlent la ville. Mince, je pense que j'ai une idée. Ah ouais, t'as quoi? Arrête de trémasser et donne-moi le téléphone. Tout est sous contrôle. Il va appeler Miguel. Ah, Big L. Allô, Big L? J'ai une offre pour vous. Très bien, les gars. J'ai entendu que vous pissez dessus et que tout le monde en a après vous. Qu'est-ce que vous avez pour moi? On peut vous vendre des trucs. We can deliver some stuff to you. On peut t'envoyer des trucs et. Ils vendront à Atlanta, Tupo et Miguel, on sauront rien. Et on fera tous les deux de l'argent, qu'est-ce que t'en dis? Pas mauvaise ton idée, mais ça m'aide pas. J'ai déjà mes... comment ça s'appelle, supplier? C'est les fournisseurs. J'ai déjà mes fournisseurs qui je fais confiance à Atlanta. En plus, le coût du transport, ça va pas le faire. Mince, c'était une bonne idée. Une meilleure idée. Tu me vends des trucs et je revends à Tupo et Miguel. Ils vont penser qu'ils vont dealer avec moi. Vous pourrez vendre vos produits. Et je prendrai ma part en tant que qu'intermédiaire. Oh merde, ça pourrait le faire, deal. Ok, d'abord atteignez 2000$ et après on verra. Je vous tiendrai au courant des tendances du marché. Ah, et on va devoir genre vendre des fois du verre, des fois. Attendez, je ralentis. Il faut d'abord qu'on ait nos 2000$. Après, il y aura Tupo qui veut 5 de verre. Du coup, il faut qu'on ait 5 de verre. Oh, ça, c'est pas mal. Ouais, j'ai besoin de 5 verres. Je vous donnerai 190$. Oh, punaise. Par contre, ça vaut rien. D'habitude, 5 verres, c'est 100$. Moins les coûts de vente et production, enfin, les salaires, quoi. Mince, on n'a pas assez. Ouais, appelle-moi quand vous en aurez assez. Ok. Hop, arrête de vendre. Alors, en plus, on est aux deux dernières Z.
Donc quand Tuco et Miguel veulent acheter ou vendre des trucs, la notification correspondante apparaît à gauche. Si on clique, si j'aime le deal, je clique. Ok, là on voit combien et pour quel prix il y a de l'achat-vente. Ah ouais, du coup ça va être achat-vente. Ok, pourquoi pas. Ah non, mais du coup je sais pas où s'ils vont. Vend. Du coup, je vais avoir besoin, non pas que de stock de. Alors ça, on peut la vendre. Je n'aiderai pas d'autres vendeurs. Ouais, je vais la vendre juste après. Build. Là ce qu'on veut pour le moment, ça va être que du vert. Est-ce qu'on se prépare avec du pourpre? J'hésite. Alors, pour le moment je pense que l'émission ça va être que du vert. Faire d'upgrade. Celle-là est plus intéressante. Ok, cool. J'ai oublié qu'il pouvait se battre aussi. Ouais, c'est tout, ils veulent acheter. En fait, ces deux-là, les deux plus intéressantes, mais elles vont disparaître avant qu'on en ait même 10. On arrive, il faut produire. Alors, 14, on est à 8. Donc, 8, on peut rien vendre. Là, ils veulent tous acheter, donc on s'en fiche. Ah, 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 4. 4 pour 160. Si, ça vaut le coup. C'est pas du tout les prix auxquels j'étais habitué, mais... J'ai l'impression que moins ils en veulent, plus c'est rentable. Alors que là il en coule plus le double et c'est pas assez loin d'être à 200 quoi. Pour le moment c'est l'impression que j'en ai. Faut mieux vendre des petites quantités puisqu'il les achète plus cher à l'unité.
Et là, il veut en vendre 51 pour 1000 dollars. Ouais, mais 51, j'ai pas de quoi les stocker. 5, 10, 15, 20, 25, 30. J'ai 32 places, donc de toute façon, voilà. Mais 51 pour 1000 dollars, ça aurait été très rentable. Donc on va creuser. Donc là on a 5, 6, 7, donc 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120. On a 120 de place. En place, on a combien? On a 9, non, mais 5 d'abord. Est-ce que peut-être je devrais vérifier, genre à qui je vends, en mode si je vends tout à tupo tout le temps, peut-être que c'est lui qui va avoir l'avantage, un truc du genre. Donc là, je viens de faire un Miguel. Parce que là, je vois que Tupo qui attaque, donc ça m'embête un peu. Et j'ai pas 1050. Là, j'aimerais bien. À partir du moment où je peux acheter ça, après, j'ai plus qu'à cliquer sur tous les boutons de vente. Plus ou moins. Parce que là, ça fait l'unité à 50. Je sais pas, attendez. Tiens, attends, le 5. Je suis à 3, je sais pas. Et l'unité à combien? 1000. Attendez, non. 1, ça vaut 100, donc 10. Ça vaut 1000, donc 500 ça vaut 5000. 50 ça vaut 5000. À la base, mon truc 1 et le 100, c'est ça. Donc là, ils veulent pas 5000, ils veulent 5 fois moins. Ça, je pourrais pas. Par contre, ça m'embête que Tupo il arrête pas d'attaquer là. Est-ce qu'il faut que justement j'envoie des trucs à Tupo? Je sais pas. J'avoue, j'ai même pas vérifié. Ah, Miguel veut en vendre 34 à 720, ça... Non, bah non, au mieux. Oh, par contre, du coup, ça leur fait un trajet de ouf. Vas-y. J'ai plus de stock. C'est 14, ça devrait faire 460 et pas 310. Donc ouais, il y a bien les sortes de prix gros qui... Plus on en achète d'un coup, mieux c'est. Plus on en vend d'un coup, moins bien c'est.
ça a des prix fixes, ça me va. On va dire tant que c'est en dessous de 10, je veux bien plus ou moins vendre. Le 9 c'est un peu dommage, mais... Il vaut mieux vendre en 9 que de faire des stocks infinis. Mais je veux vendre à Miguel plutôt. 7 c'est mieux en plus. Trop là. Il en veut 5. 5, je peux difficilement refuser. Alors. Je peux vendre beaucoup. Moi, ça me va. Passe. Spécialement envie, mais ça leur fait faire des longs trajets et ça c'est pas cool non plus. Faire comme ça il fait un moins long trajet. J'aurais peut-être dû prendre l'autre d'achat. Ah bah voilà. Miguel qui attaque. Ces deux-là, ça sera pas assez pour atteindre les 2000 pour la suite de l'histoire. Si ça va être assez. J'hésite, hein. Ça plutôt. Oula, je suis blindé. Juste parce que sinon lui il va pas produire. Non, en fait. Ça coûte combien cette salle? Ça coûte 125, très bien. 12, 12, 12, 12. 7 et 7, c'est bien. 12, c'est pas ouf. Et si je fais ça. Miguel. Là, je prends. D'ailleurs mes capacités de prod, mais j'ai l'impression que vaut mieux acheter
pour la vraie quantité quoi de transfert. C'est marrant. Plus de 15, c'est bien, on va dire. Alors, 14, 34, je veux pas acheter ça. Un peu de blé là. Non, en fait, c'est trop rapide. Tu peux. Ouais, si on y va à Miguel en partie. J'ai pas les sous pour acheter du pot. Faudrait que je fasse le calcul, mais. Je sais pas le faire, calcul de 1050 divisé par 51 de tête. Pour savoir justement à quel moment c'est. C'est le mieux. 14. En vrai, maintenant j'ai largement assez de stock pour pouvoir venir. Ça va être pas mal amoché quand même hein, les verres, comment ils sont de ce côté. Ah, un peu mais beaucoup moins. On a les marrons. Surtout que dans ce jeu, il n'y a pas du tout l'effet de. Bah, je fais qu'un seul trajet en bagnole, donc. Donc j'ai peu l'intérêt de. Enfin, de mon côté, je vois pas l'intérêt de vendre beaucoup à moins cher. C'est pas comme si j'avais genre une personne qui devait faire les transports, les trajets, et du coup, il pourrait transporter plus d'un coup. Genre mon camion est plus occupé donc c'est mieux par exemple. Ouais, ça se passe pas trop mal. Mais c'est pas assez pour. Mais c'est pas assez bien de se balader avec des petits lots de green. C'est le moment d'étendre. On a besoin de meilleures opérations. Purple is a new hot thing. Ouais. Désolé, je lis pas, je traduis pas, mais c'est pas grand chose d'intéressant. Ils veulent te vendre du pourpre. Du coup, on demande à Kenny s'il a des contacts. Bah, je sais pas, les spécialistes sont valent toujours leur poids en or. Mais tu peux entraîner tes employés. Et les faire devenir des pros. Hein. Entraîner nos employés, qu'est-ce que tu veux dire? Mais bien sûr, on peut le faire à la bibliothèque. Il y a plein de bouquins sur la chimie et d'autres trucs. En plus, ils deviennent meilleurs à chaque fois qu'ils produisent un truc. Mais ils apprennent bien plus vite à la bibliothèque. Il y a une bibliothèque pas loin à voir par toi-même. Merde, Kenny, pourquoi tu m'as pas dit ça avant? Faut pas demander. Donc la bibliothèque, c'est là.
maintenant faut gagner 6000. Ouais mais là le pourpre j'ai pas. Le pourpre j'ai pas, Kenny il est pas bon. Hein. Le pourpre j'ai pas, j'espère qu'ils vont pas me dire bah maintenant tout ton green on s'en balèque. Même si je joue en les 17, ça fera pas une grande différence. On va produire un seul truc de pourpre. Pour le moment. Oh, allez-y, de toute façon. Là, je dois améliorer ça. Et embaucher... embaucher un soldat... là. Ah mince, j'en ai plus assez. Un soldat, deux ou trois. Allez hop. Ah. Oups. J'ai plus de liquidité. Non. Des gants en latex. Je crois que ça augmente la prod. Donc ça m'intéresse. Gunter, regarde. Il y a des bureaux partout. Super, tu pourrais prendre un truc ou deux ici. Super. Envoyer nos travailleurs ici pour s'entraîner plus. Exactement. Je vais faire un tour au cas où certains auraient fait des stocks. Kenny Cash et Gunter High. Vous n'avez pas rendu vos bouquins à temps. Voyons voir. Vous avez toujours un livre de chimie de quatrième. Maintenant... Oh merde, elle est encore en vie. Miss Bruiser, qu'est-ce que vous faites ici? La bibliothèque a fermé il y a longtemps. Vous avez raison, ça fait 15 ans déjà. Le même nombre de secondes... Vous avez exactement le même temps pour m'expliquer ce que vous faites ici. Avant que je vous éclate. Ouais, doucement. On cherchait juste un endroit pour lire. Ah, bien. Ben, venez alors. Oh, c'est tellement en désordre ici. On n'a pas eu de lecteur ici depuis des lustres. Le toit commence à fuir.
tout ça à cause d'Internet. Les gens ont totalement arrêté de lire. Tout ce qu'ils savent faire, c'est... Flipping Lines. Tourner des lignes et... esquisser des sourires. Et des citations stupides. Pour Wolfman et mon Alexandre. Pas de mensonge. On a besoin de livres sur la chimie et peut-être physique. Vous avez ça? Oh! Ils sont dans la section payante. Allez voir. Non. Les gars. C'est quoi ça? Attendez, quoi? Est-ce que ça compte sa prod? Donc d'accord, j'ai cligné des yeux, j'ai pas vu. Allez. Ah, ça augmente leur prod. M'en fous d'augmenter votre prod. Vous allez attaquer. Là. Moi j'ai... pas... j'ai rien. Par contre, je peux apprendre à un cook. Toi, tu vas là, t'es trop lent de façon pour produire. Tu sers à rien. Ils veulent acheter, ils veulent acheter, ils veulent acheter. Voilà. Vendre 34 seulement par contre. Moi quand j'achète tu peux acheter plus la 50 centaines quoi. Mais ça pourrait me permettre de leur vendre. Miguel veut acheter et vendre à la fois, c'est trop marrant. Ah il en veut 4. Non tu ne pourras pas produire le 4e matin. C'est quoi? On va quand même faire une salle de ici. Que où ça t'intéresse? J'ai pas les sous. Tant pis. Miguel veut acheter 23 grilles. Comme si j'avais 23. Ah! Genre là je peux acheter des bouquins. Ok. Prod XP, damage XP. ...51 pour 1900, par contre 1900 c'est cher. Ça, pareil, 1920, ça reste cher, mais ça m'aurait plu de te l'acheter, du coup. Je suis désolé.
Alors, tu en veux 4. Mince, j'ai fait pas fait 96 pour 1900 ans, c'est trop cher. Il en veut 27, j'en ai pas 27, c'est mort. Kenny, t'en es où? Ça a quand même diminué le nombre de gens, c'est peut-être qu'une impression hein, mais... Dès que t'as ton level up, Kenny, je te donne. Je te fais revenir. Désolé, j'ai une musique en tête. Je l'ai eu en tête toute la journée. En vrai, dans l'idée, on pourrait embaucher en 2 personnes. Et dès que Kenny vient, on les échange. Ce genre de choses. Kenny, tu viens. Là, tu t'appelles comment? Francis. Tu viens ici. Donc Kenny qui produit rien, bon il est fatigué mais il a 0,42 du coup. Gunter qui a toujours bien produit là, 1,4. J'aurais bien voulu acheter ton stock de 51 là, mais je peux pas. 1,4 aussi, et si je regarde, ça, ça fait plus 0,3, et ça plus 0,2. Donc il a quand même bien progressé, Kenny. On va pas dire le contraire. Pas 27. Cool, maintenant ce gars peut produire plus vite. La connaissance, c'est le pouvoir. On a besoin d'en entraîner d'autres. Je vous entends, je vous comprends pas, vous les nerds. Vous avez une plus grande bibliothèque et ça vous explose la tête.
plus grande librairie, une bibliothèque. C'est brillant. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? On peut améliorer la bibliothèque. Donc nos travailleurs peuvent apprendre encore plus vite. Effectivement. Ouais, une nouvelle, ça y était pas avant. Donc ça coûte de l'électricité, mais ça améliore les temps. On va prendre surtout sur ces deux-là. Ça va être les deux qu'on va peut-être le plus utiliser. Toi, tu t'appelles comment, Brendan? Et tu vas pouvoir venir ici aussi. Alors, toi, tu veux 450 pour 9, 9 et 9, 18. 450 x 2, ça faisait beaucoup plus que 720. C'est beaucoup moins de 800. Donc, non, on vend plus cher quand on vend les petites quantités. Le green, ça fait longtemps, je sais plus combien c'est. 29, combien c'est les petites quantités chez eux? 25, on va dire. Ah, faut améliorer. Je suppose que. Ouais, voilà. Non, c'est le même. Ah, c'est peut-être qu'il en faut plusieurs qui soient au niveau 1. Je sais pas, la dernière fois que j'avais ce genre de truc, c'était. C'était plutôt qu'il fallait que plusieurs soient, enfin fallait que 5 personnes soient niveau 5, ça faisait niveau 25. On n'est ni 11 ni 12, et là entre 11 et 12 ça va de 530 à 570, ça fait 40 je crois. Ouais, c'est ça, ça fait 40 pour un pourpre de 11 à 12. Alors qu'à 7. Compliqué là quand même. Ça aurait été mieux d'avoir un 7-8. Et en gros, le 12e vaut 40. Et les autres valent un peu moins en général. Ça, j'ai toujours pas. Big Hunter, vas-y, fournis-nous. Alors, est-ce qu'on achète du pourpre ou du green? Je pense qu'on va acheter du pourpre. Parce qu'on n'a pas encore les sous pour acheter. Ouais, voilà. Là, on aurait pu en avoir un seul niveau 5 ou 6. Un seul niveau 6, mais il n'y a que 5 niveaux. Oh, ces mecs peuvent vraiment le faire plus vite. Ça va tellement bien, on dirait un réseau de neurones. Un réseau de neurones. Et si... Ou quoi? Ça. Oh. C'est encore mieux. Ah, par contre, ça augmente la fatigue. Ouais, non, on s'en fiche. Alors, 3 et demi. Mince, tu t'appelles comment, on a dit? Francis. Alors,
voulais du green, mais j'ai pas assez de green. Pas de green, mais vous êtes fou. Seulement j'avais les sous, vu le nombre de green qui veulent acheter. Ça c'est bien. Bidoup, bidoup. Oula, ils vont le prendre ce truc là. Alors, tu peux, veux du pourpre. Aura du coup. On veut toujours plus de pourpre, Miko elle veut du green. Et je commence à plus avoir place, j'ai l'impression, dans mon... Ma trésorerie, si c'est 4000 le max, ok. Alors ici... J'ai pas besoin que tu saches produire à 2000%. J'ai besoin que tu saches suffisamment bien produire. Moi, je pourrais en vrai, je pourrais envoyer des moteurs. Et les quelques derniers niveaux, au pire, tu les apprendras sur le tard. On est d'accord qu'il est amélioré, oui. À 18, c'est dommage, ça aurait été un bon. Ça aurait été bien. J'ai envie de prendre ce truc comme ça, j'ai masse de pourpre à vendre. Je sais pas si je devrais pas mettre des... la production tout ici là. Ici déjà un canapé. Main de pisse, je crois que j'ai trop saoulé. Distract Big L too much, ouais, c'est ça. Ici, on va quand même upgrade. Oh, il y a un peu de pourpre ici, ouais, mais on s'en fout. Non, on veut embaucher. Oui, mais oui. Il faut d'abord faire la pièce avant d'embaucher. Ah, allez. Ah non, j'ai pas les sous. J'ai même pas fait exprès. Mais je m'en suis rendu compte tard. Tu pouilles 20 pour 510, ça c'est plus intéressant forcément, mais on va mettre ça aussi. Un petit entre.
entrepôt de cash, ça me paraît intéressant. Surtout qu'il faut qu'on atteigne 6000. Avant j'avais une capacité de 4000. Là j'ai une capacité de 7000, donc autant on dit rien du tout. 9 pour 18. Non mais j'ai plus rien les gars. J'ai que du cash. J'ai que du cash et deux persos en formation. Je ne peux pas fournir. C'était 370 pour 7, 450 pour 9, ça veut dire que pour 2 ils en achètent, ils en prennent 50, 80. Ils payent 80 pour 2 de plus. 254, ça veut dire qu'ils payent combien par unité? 125 divisé par 2, ça doit faire 75. Ouais, ça, plus on vend des petites quantités, mieux c'est. Oui, c'est Tupo qui veut. Bah, c'est sûrement Tupo qui aura. Bah, j'ai pas. Pas le temps. J'ai pas les sous, là il veut 29. Oh 29, je veux pas vendre 29 d'un coup. 14, oula, 14 de pour, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Vous êtes déjà à 3, bientôt 4. Il va vous falloir des labos. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais un check. Deck. Toi. Forcément grand chose du coup. Il faut 1000 plus 125, ok. Alors il veut 11. 11 ça fait beaucoup quand même. Hein. 11 de pourpre. 23, ça c'est bien. 27, je peux hésiter un peu, mais il est en dessous. Il faudrait que je vends pas régulièrement des trucs donc. Hop. On faisait venir notre dernier gars. Je me demande si c'est pas moins cher de lui dire bonjour, j'ai besoin de. Ça coûte la même chose? Ça coûte la même chose et ça augmente toutes les stats. Désolé, prendre donc, plein de bouquins comme ça. Ça m'a l'air idéal. 18, c'est parfait. Un gars ici. Ouh, c'est pas bon.
Même si je vendais, j'aurais pas assez pour acheter ça. 25, allez, 25. Pas assez de thunes encore. 20. Dommage. Je sais pas quel est l'intérêt de prendre ces deux bâtiments pour le moment. 12, on peut parce qu'on n'a pas de thunes sinon. 64 pour 1300, non. Est-ce qu'on embauche plus de monde? 12, on dit oui. 27, de toute façon, on les a pas. On est là. Oui. On est bientôt à 1900 là, le chiffre magique. En fait, c'est ça, c'est j'achète pour revendre. Ça rapporte quand même beaucoup moins d'argent. Si ça m'en rapporte, que de juste produire et revendre normalement. Là, je pense que je vais mettre ces trois-là en brown, et celui-là en pourpre. Il veut en vendre 51. On a dit qu'on essayait d'arrêter d'en acheter pour mieux produire. De toute façon, je les ai pas accélérés parce que. 20, on dit oui. Oh 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 oh, j'avais pas fait gaffe. Oh bah si tu peux, enfin si Miguel reprend ses trucs, c'est bon. Je peux enrichir 700 à 760, ça fait 40 de différence pour deux quand il y en a autant. 650, 150, je suis pas sûr. 14, je suis pas sûr. 12, je suis sûr. 4, 7, 12, je suis pas sûr. De toute façon, j'ai pas. 27, ça commence à faire beaucoup. 25, on va dire, la limite pour le vert. Et 10 pour le pourpre. Allez, 12. Ah! Oui, oui, mais c'est pas là-dessus que je voulais cliquer. C'était 25. Accélérer du coup, que c'est l'achat, la revente et que je me suis fait une raison, on va essayer de faire plus que de la revente.
ça se passe bien. Ça se passe bien. Un petit peu. Juste pour voir, vous êtes niveau combien. Et vous êtes bon déjà. Donc vous venez là, il y en a un qui va se faire pour Prissy. On pourrait améliorer en fait les machines. Ça produise plus vite. On devrait améliorer même les machines. Alors, productivité 2. Productivité 6. Ça consomme un peu d'énergie, mais c'est pas grave. Il nous faut 2000 et de l'électricité, d'accord. Hop. Alors, trade. Hop, trade. Ça. Productivité 8. Ça, c'est 6. Celle-ci elle est bien. J'ai pas de sous. 375. 22 là si j'ai le. Si j'ai le 3. Comme ça, on gagnera plus vite des sous pour la suite. Donc lui, il s'ennuie. Pas génial. Ça va pas le faire, je pense. Ça peut être limite, peut-être que j'ai une chance. J'ai eu justesse, je pense. 11-32, c'est mort. Tout ça j'ai pas hein. J'ai pas 23, j'ai pas 7, oui. 18 ça aurait été cool. 9 je dois avoir. 23 j'ai 4, j'ai bien, oui. C'est un poil trop rapide ici pour avoir le temps de comprendre ça et d'aller regarder là-haut, mais vu qu'il y a vraiment que ça comme gameplay. Juste quand je dis ça, je me dis, toi, t'as fini de t'entraîner, tu vas revenir.
C'est pas cool. En vrai, je pourrais virer ça d'ici pour le mettre là-bas. Alors, 25, oui. 14, ça commence à faire beaucoup. De pourpre. 7, c'est beaucoup mieux. 20, c'est très bien. 5, c'est très bien aussi. De toute façon j'ai pas. Non, je préfère revendre plusieurs fois 5, 2 fois 7 que 1 fois 14. J'aurais pu ne pas avoir autant d'entrepôts en fait aussi. Quoique apparemment l'état d'esprit c'est de vendre des plus gros lots petit à petit, donc va falloir avoir des stocks. 4, 9, 4 c'est jamais de la vie. Ouais, vous savez gérer votre business. Vous en avez fait un art en fait. Maintenant c'est le moment d'aller sur des plus gros packs. Plus de packs, plus de profit. Exactement vieux. Et vous ne devrez pas arrêter d'étendre votre gamme. Vous allez mieux vendre avec du pound, du marron. Et vous serez entièrement compétitif. Hop, j'aurais dû acheter ça d'abord. Hop, hop. Est-ce que ça, on upgrade l'excès de la 4. Ça vaut 2000 ans. On va embaucher. On va embaucher 2 personnes. On va embaucher, on a dit 2 personnes. On va mettre ça à jour pour la prochaine fois. On sera pas forcément ici. Et on a dit que ça valait 2000, donc on va le prendre tout de suite. Alors 27, ça va peut-être être les nouveaux standards, ça. Il nous faut 12 000 maintenant. De soins, et je pense que ça a largement fait son office de soigner un peu tout le monde petit à petit. 4, j'ai largement pas, j'ai 3 avec une seule personne qui en produit. Bon, je commence à avoir 35. 31. Même s'il doit y avoir beaucoup moins. 35, de toute façon, j'ai pas. 5, est-ce que j'aurais le temps d'avoir 5? Je pense pas. Si, j'ai plus 6. Ah, ça en produit plusieurs d'un coup? Non. 52, oui, bien sûr. 23, ouais. 9, j'ai pas de façon. Non, ils veulent m'en vendre, ok. Bref. 4, oui. Ça m'encombre. 20,
c'est un peu beaucoup, je pense. Mais... l'encombre aussi. Regarde, c'est mort. 42,50, c'est pas assez. Mort, là ils veulent vendre. Où en est tout? 7. 7. 3 sur 5. 3 sur 5, 33. Non. 33, j'ai pas. Il veut vendre, je m'en fiche. J'ai pas de façon, hop, j'ai pas les sous. Et là, on va mettre quelques stocks de cash. Il m'en arrive. J'ai pas trop vérifié les salaires, mais pour le moment, ça a l'air d'aller. 45, j'ai pas de façon, 38. Ça fait mal au cœur, 38. Je vais être obligé. Hein. Allez. 29. Pareil, je crois que je vais être obligé, mais je suis pas fan. Ça finira en celle-là. 18, oui. Ah non, je sais pas. 29. On s'en sort, on s'en sort. Il nous faut 12 000 d'ailleurs. Et du coup, en capacité globale, on a combien? Il nous faut 12 000, on a 13 000. Donc il nous faut une pièce de plus au cas où. C'est toujours bien, on va dire. Il en veut 52, mais il est fou. Il est fou. Le tupo 47, il est toujours aussi fou. C'est bien parce qu'on vend de plus grands stacks, donc on a plus d'argent d'un coup, mais à l'unité, on gagne moins petit à petit. 27, ça c'est pas mal, je crois, 27. 14 de marron, non, non, mais vous êtes fou. Vous en demandiez 5 avant. Cinq, c'est pas mal. Hop, vous êtes entraîné comment là? Vous êtes full entraîné, ok. Bah vous venez là. Il manque un peu de sous, 200. 38, ah, ça aurait été bien. Ça c'est très bien. Là on a dit qu'il fallait améliorer ça, ce qui est fait. 30, non 30 c'est trop. Ça va. Allez, 5 oui. Donc, il faut s'étendre. Alors, on peut s'attaquer ici. Et où là? Ici, il y a plus de place. Je
je vais attaquer les deux. Alors, 27, si, 27 là, faut prendre celui-là. 38, de toute façon, j'ai pas. Ah. Oui. Non, 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 je veux upgrade. Et là, maintenant, je vais embaucher. On va faire dans l'ordre. J'ai pas 5, ça c'est bien. 17, ah, c'est pas bien d'en prendre 17 d'un coup. 1440. C'est lequel que j'ai? Ah oui, le truc qui améliore tout, ça c'est cool. Vous allez m'attaquer ça. 17, j'ai dit non. 47, j'ai dit que je les avais pas. 9, oui. Vu la dangerosité de ce labo, y en a qui se blessent deux fois avant de pouvoir soigner, n'est-ce pas, Gunter? Pour 3000, ça j'ai l'impression que c'est pas mal. Ils sont tous les 4 morts, oui, très bien. Et toi par exemple, tu vas prendre ça. Tenus Money, oui, tu parles, surtout tu sais pas où m'en acheter. Non, pas Fire. Donc là j'ai beaucoup de verre. 23, oui. 45. On avait acheté combien? 156 pour 3000. Regardez, en 5 de plus pour 10$ de plus, ça je fais pas. 12, c'est limite, mais on va prendre parce qu'on commence à en produire beaucoup du brown par rapport à la consommation, la vente que je réussis à avoir. Ça c'est pris, et ben les gens, hop, peut-être virer, bien évidemment. 17, j'ai dit non. Là j'ai rien amélioré, mais du coup je peux avoir des autres endroits qui produisent. D'autres endroits qui produisent. Genre là, si je prends... Je vais prendre un bus juste pour voir. Oui, pas moins de quantité. Alors, quatre, ça c'est parfait. J'allais mettre le canapé tout à gauche, mais en fait, vaut mieux qu'il soit là, comme ça, ceux qui viennent peuvent. Comment dire, ceux qui viennent de l'autre étage n'ont pas à retraverser tout cet étage-là. 23, oui, 7, oui, 47 toujours. Allez. Du coup ici ça m'a l'air d'être pour le moment le plus du violet que j'ai besoin. Alors ici j'ai besoin d'embaucher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
on va dire 4 pour le moment, ça sera déjà bien. On va dire qu'il y en a 2 qui n'ont pas de truc amélioré. Voilà, 12. Allez, 12 on prend. 38 on prend. Là on a dit qu'on voulait ça. À gauche, à droite, à gauche, parce qu'on sait jamais ce qu'on pourrait vouloir mettre tout à droite. Et là on a dit que le pourpre surtout on avait du mal à suivre. On va voir si c'est toujours le pourpre, si c'est le... ou si d'autres couleurs ont du mal après. Genre là tu veux pas prendre ces stocks là et les emmener ici par exemple. Ah je sais, genre si je fais... Alors je vire cette pièce. 25, j'ai pas 35, oui. Et que je mets genre une salle de vente, mais la moins chère possible parce que je vais demander à personne de vendre ici. Est-ce que... Ouais, le camion il va venir mettre des stocks ici alors qu'ici il n'y a aucune production. Ah mince, le 25, j'aurais voulu. 42, allez. Juste pour le même. Oula! Tu peux à tout récupérer. Donc il m'attaque pas à la limite. Miguel est toujours dans la partie, de toute façon il veut toujours acheter tout ce qui me compte, tout ce qui me va. Ça me va. Non, 18, c'est trop. Stock. Vous, vous en êtes à où? Vous en êtes encore loin, c'est bien. D'ailleurs, j'ai pas tout amélioré. Est-ce que je pourrais tout améliorer? Ça, c'est une autre question. Qu'on a pris ici, c'est cela. Le fait que j'ai pris ici, c'est celui-ci. Donc, oui, je crois que c'était lui. Et ici, on a dit le tout dernier de la liste. Et il n'y a pas assez d'électricité. Oui. Non, ça on va le vendre. Et on a dit, toi, t'es mis à jour avec ça. Alors 52, 45, 27, non. Ces prix-là ne me correspondent pas. J'ai plus de sous parce que j'ai investi dans la vitesse de production. D'ailleurs ici, il faudra que je le fasse à un moment. Je pense que le reste, ça va être en du verre hein, que je vais mettre ici.
Ici, je sais même pas. On verra un jour. Je ferai des choses. Alors, 4 oui, 11 oui. De toute façon j'ai pas ouais, on va faire du la production de green ici. Ah zut, voilà, où en est tout, encore beaucoup à apprendre. Alors, ici on a dit qu'on améliorait comme ceci. Ah, j'ai pas de. Voilà. Voilà ce que je fais ici, forcément. Et j'ai plus d'électricité. Ils vont pas avoir d'endroit où se soigner, j'ai pas envie de, sur ce genre de partie, de m'occuper de ça. Vous avez encore pas mal à apprendre, vous. 32, oh. 18, oui. Oui, on vend, on vend. Je sais pas si c'est parti, j'espère. 45, 14, non, 32, allez. 5, oui, 32, non. 45, j'ai pas, 42, j'ai pas. Même question, vous avez bientôt fini d'apprendre, du coup on va vous envoyer là les littéraires. Et on va améliorer ça. 4 et 4, oui, si possible on va en embaucher d'autres qui s'entraînent. Comme ça, j'en ai toujours en formation. Formation, voilà, tout simplement. Quatorze, ça fait beaucoup. J'en ai pas des stocks énormes. Ouais, le green à 45 ou moins, c'est cool. Rare. Pareil, ça à 20, c'est rare. 1, 11, 5, 30. Je pense que c'est la moitié de ce que j'ai déjà produit. 35, oui, ça doit. Ah, donc il nous a trouvé. Oups. Ah ah! Donc les rumeurs étaient vraies. Je vous ai trouvé. Vous êtes des insolents, bande de fous. Vous vous cachez dans mes propres bâtiments. Et vous en faites votre QG. Et vous êtes. Vous êtes incroyable. Ne bougez pas d'un poil.
J'arrive juste pour vous buter. Et Miguel, si tu m'aides cette fois, alors on peut discuter pour une trêve. Qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que t'es avec moi? Bien sûr. Mégare n'est pas un moyen de faire de l'argent. Je suis avec toi, Tupo. Oh, alors, beauté de cul à la vieille manière. Splendide. Et les gars, vous avez entendu? Préparez le dîner. Préparez le dîner, les gars. Cheese, fromage et crackers. Arrive. Merde, Kelly, on dirait que c'est fini. Comment on s'est mis là-dedans? Parce qu'il y a ce con qui s'est mis à bosser là. Punaise. Pourquoi il s'est mis à bosser là? Parce que je l'ai recruté ici. Ouais, bon. L'autre checkpoint, on va voir à combien j'en étais. World Cell, baby. Il est quelle heure? Oh, ça date d'une demi-heure, c'est ça? J'en ai bien peur. J'en ai bien peur. Ça fait combien de temps d'épisode? Ça fait 1h30 déjà. Enfin, je reprends juste pour vérifier où on en était. Ouais, on va quand même essayer de continuer. Ah, j'avais pas encore fait ça. Ouais, non. Ah ouais, non, ça date. Non, ça date. Du coup, ça sera pour un prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. J'espère que la prochaine fois que je me remettrai dessus, je ne perdrai pas dans ma tête ce qu'il fallait faire, où j'en étais, tout ça, tout ça. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à rejoindre le Discord et les live Twitch. Je serai accueilli avec grand plaisir.